Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le roi de coupe, le 7 de bâton, le 9 d'épée, le monde, l'as d'épée et la justice pour finir. Alors, il y a peut-être une décision à prendre, peut-être le fait de boucler quelque chose. Vous vous mettez de la pression, je ne vais pas vous mentir, vous mettez de la pression là pendant... Pendant cette quinzaine, pour certains, il y aura quelques insomnies, un trop plein de mental. C'est pas nécessairement de l'inquiétude, mais beaucoup de un trop plein de réflexion, ça c'est sûr. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie du roi de coupe, une énergie bienveillante, sécure, rassurante, pleine d'amour. C'est de la générosité, le roi de coupe, c'est le père de famille, c'est cette force de cœur qui fait que auprès de lui, on se sent rassuré, on se sent bien, on se sent au chaud. C'est de l'intelligence émotionnelle. Le roi de coupe, c'est cette maturité émotionnelle qui fait que on n'est pas déstabilisé. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne à vos côtés? Peut-être. On n'est pas déstabilisé par, je dis que c'est peut-être quelqu'un à vos côtés, parce que je vois bien que vous vous prenez la tête, et en même temps, ce roi de coupe, lui, il ne se prend pas la tête, justement. Il est très à l'aise avec ce qu'il ressent, quand bien même il ressent des fois de la tristesse, ou de la colère, ou bon, les émotions, hein, c'est comme la météo, des fois il y a du soleil, des fois il y a des nuages, des fois c'est mitigé pendant la journée... Mais le roi de coupe ne se laisse pas déstabiliser par tout ce qu'il traverse et il ne se laisse pas déstabiliser non plus parce que lui envoie son environnement. Alors, est-ce que c'est vous, ce roi de coupe? Est-ce que vous avez effectivement beaucoup de choses à penser, mais par ailleurs, vous avez quand même cette stabilité émotionnelle? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Quelqu'un qui, pour certains, c'est peut-être quelqu'un que vous trouvez assez séduisant. Mais il y a une décision, j'ai vraiment l'impression, quand je regarde, j'ai vraiment l'impression que c'est le même personnage, en fait, sur les deux cartes. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent, mais j'ai pas l'impression que ça soit... Les chapeaux sont pas exactement les mêmes. Il y en a un qui a... c'est rouge ici, c'est gris là, mais... Est-ce qu'il y a comme, pour certaines d'entre vous, comme un idéal de cœur? Et en challenge avec cet as d'épée, on est... alors... Soit c'est challengeant parce que vous êtes buté sur une idée, sur un idéal de cœur, sur une personne en particulier. Et c'est challengeant parce que vous êtes dans une situation où, où c'est bloqué. Avec cette personne, ça ne marche pas. C'est bloqué. Ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez une image idéale de la personne à rencontrer, mais cette personne type, vous ne la rencontrez pas. L'as d'épée en challenge peut m'indiquer que vous restez bloqué sur une idée. Alors le fait d'être bloqué sur une idée, ça c'est pas impossible parce que ça c'est votre état d'esprit. 9 d'épée, des idées, il y en a beaucoup. Et vous êtes prisonnier de votre mental.
avec le 9 d'épée. Vous avez du mal à endormir la nuit, vous êtes très agité, ça tourne en rond là dans votre esprit comme un hamster dans sa roue. C'est pas productif du tout. On se met la pression, c'est toutes les histoires qu'on peut se raconter en termes de j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, elle va pas vouloir de moi, je vais jamais rencontrer la personne qu'il me faut, j'ai rencontré quelqu'un mais ça va pas durer. Bref, c'est tous les trucs qu'on peut se raconter avec lesquels on se fait du souci, beaucoup d'inquiétudes. Ça peut être sans se faire du souci et se mettre des limites, ça peut être aussi toute la pression qu'on se met à réussir quelque chose. Les il faut, les je dois. Il faut que je fasse ceci, il faut que j'arrive à ça, il faut que je sois à la hauteur, il faut. Bon. Et il faut que je pense à ça, et il faut que je note aussi, ça peut être toute la surcharge mentale au travail. Il faut que je pense à passer tel coup de fil, et puis à demander là, et à faire ça, et il faut que je note ça, et il faut pas que j'oublie ceci. Et là, on est coincé dans sa tête. Donc pendant cette quinzaine, vous allez quand même avoir des moments très très pris dans votre mental et en challenge, une difficulté. Alors soit très pris dans votre mental parce que justement vous êtes bloqué sur un point de vue fixe qui ne vous sert pas. Là, il faudrait changer votre point de vue pour sortir de ce cercle-là où ça tourne en rond. Pour d'autres, l'as d'épée, c'est justement on s'est aéré l'esprit. Il n'y a plus qu'une seule épée. Il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 10, il n'y en a plus qu'une seule. Donc un peu de mal à vous aérer l'esprit, à changer d'idée. Peut-être une décision à prendre qui n'est pas facile. Pour d'autres, c'est pas que vous avez une décision à prendre, c'est que vous attendez une décision. Alors, de la part de la justice, de la part d'un, je vous la montre, c'est en résultat. Est-ce que ça peut être de la justice, ça peut être d'une administration, ça peut être d'une forme d'autorité. Vous attendez une réponse et pour l'instant, vous ne l'avez pas. Ou alors, vous l'avez, mais c'est pas comme vous attendiez. Maintenant, Ne vous prenez pas la tête avec ça, ne vous inquiétez pas avec ça, vous avez le monde en force. On peut pas faire plus, faire mieux que d'avoir le monde en force. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la grande victoire, c'est le grand bonheur, c'est l'apothéose, c'est aussi le fait de boucler un cycle, oui. Mais on ne peut pas faire mieux, faire plus abouti, plus heureux, plus abondant, plus à sa place que le monde. Il n'y a pas de plus grande réussite. Alors, d'avoir cette carte en force, si vous attendez une réponse, une décision, et que cette décision, elle arrive, cette réponse, elle arrive pendant cette quinzaine, et que ça n'est pas la réponse que vous attendiez, le monde en force vous dit, mais... Il y a quelque chose qui se boucle, mais ça se boucle pour le meilleur. Il y a une forme d'alignement aussi, de peut-être un équilibre à retrouver pour être dans un plein épanouissement. Le monde en force, c'est vous aussi, le fait de vous épanouir pleinement, le fait de vous montrer pleinement, le fait de prendre votre place au sein de votre monde, c'est-à-dire de vos valeurs, de ce qui vous plaît, de ce qui a de l'importance pour vous, au sein également de votre environnement, les gens, les occupations, les projets, tout ce qui constitue votre, tout ce qui gravite autour de vous, et puis que votre monde s'intègre par rapport au monde des autres, sans renier quoi que ce soit dans le vôtre. Je dis ça parce que ce que vous voulez, 7 de bâton. Déjà, l'image est parlante. J'ai l'impression que vous voulez observer, mais vous voulez un peu vous planquer. Vous voulez ne pas en perdre une miette, mais en même temps, mettre une forme de paravent, là, pour pas... J'observe, mais je me montre pas trop.
Je cache quoi? Je cache la bouche. Je cache la communication, je cache la libre expression. Le monde, c'est une pleine et entière expression. L'as d'épée, c'est une expression, mais c'est une expression contrariée, vous l'avez en challenge. Là, il y a peut-être un peu du mal à exprimer clairement ce que vous voulez, je ne sais pas, exprimer clairement quelque chose. Peut-être que vous avez du mal à l'exprimer clairement parce que vous-même, soit vous ne savez pas exactement quoi dire, dans le fond, par exemple, exprimer clairement ce que je veux, ok, mais je ne sais pas vraiment ce que je veux. Ou alors, vous savez très bien ce que vous avez à dire. Le fond, vous le connaissez, mais la forme, comment je vais le dire, et de passer à l'acte, c'est compliqué. Alors, ce que vous voulez avec le 7 de bâton, c'est une carte de défense. Vous voulez défendre vos acquis. Le 7 de bâton, il consolide la victoire précédemment remportée avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'était la carte de victoire. On s'est mis en avant, on a parlé, on s'est affirmé, on a remporté une bataille, on a réussi quelque chose, on a passé une étape, passé une épreuve. Et avec le 7 de bâton, on consolide cette réussite. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. On ne veut plus revenir en arrière. Donc vous voulez à la fois défendre vos acquis, et puis en même temps, vous voulez vous mettre, c'est aussi une carte de défensive, où on se sent sur la défensive parce qu'on n'est pas très sécure intérieurement, parce qu'on est fatigué notamment, et ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement attaqué, ou qu'il y a des gens qui vont vous juger, vous critiquer, ou bon. Mais comme on sent qu'on est un peu fébrile et qu'on se prend la tête, mieux vaut se mettre en retrait. Moi, j'ai cette notion-là de... J'ai envie d'observer avant de dire. Avant de prendre ma décision ou avant d'exprimer clairement qu'est-ce qui est aligné pour moi. La justice, c'est ça. C'est l'alignement, c'est l'équilibre. Qu'est-ce qui est aligné en termes de justice? Est-ce qu'il y a eu une injustice, quelque chose à réparer? Des torts à reconnaître de votre part, de la part de quelqu'un d'autre, et de demander à ce que les choses soient éclaircies? Donc alignement en termes de justice et alignement en termes de justesse. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Parce que ça vous correspond pleinement, parce que ça vous épanouit pleinement. Là, il y a une notion de responsabilité également, de discernement et de responsabilité. Et vous avez un peu de mal à y voir clair. Je vois comme une couronne de laurier là derrière. D'avoir un moral de vainqueur, c'est pas facile à propos de quelque chose. Peut-être justement parce que vous avez vous traversez une situation où vous avez déjà connu des déboires. En même temps, vous les avez dépassés, vous avez remporté quelque part la victoire sur les épreuves que vous aviez rencontrées. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose qui se représente dans le même domaine. Ça ne veut pas dire, si je prends l'exemple par exemple, voilà. Domaine amoureux, vous étiez tombé amoureuse d'une personne qui ressemblait à ça, et puis ça s'était mal fini, vous en aviez souffert, vous avez pris le dessus, ça va beaucoup mieux, et puis tout d'un coup, surprise, il y a quelqu'un d'autre qui se présente et qui ressemble beaucoup à l'ancienne personne. Est-ce que au premier abord, on pourrait dire c'est la même? Et en fait, à bien y regarder, ah non, non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais là où vous avez l'impression que c'est les mêmes, c'est parce que il y a une prudence, il y a une inquiétude. Est-ce que ça va se passer de la même façon? Est-ce que cette personne va pas se comporter comme l'autre? Mais est-ce que en vous, il n'y a pas quelque chose là qui cherche à se reproduire aussi
en termes de pensée qui ne vous fait pas du bien. Donc il y a aussi cette observation, de prendre le temps d'observer ce qui se passe à la fois en vous et puis dans la situation, chez l'autre personne, de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout dévoiler d'un coup. Maintenant, que vous fassiez à votre rythme pour vous sentir plus en sécurité, plus aligné, prendre le temps d'avoir ce discernement, de peser le pour, le contre, ok. Mais on vous dit bien en force avec le monde, sois pleinement toi. Pense réussite, pense victoire et grande victoire. Tu peux y arriver, clairement. Là, il y a quelque chose qui peut tout à fait tourner en votre faveur, même si vous n'y croyez pas, même si au premier abord, vous avez l'impression que c'est contre vous. Le monde en force vous dit, mais ça, tout va bien. Il y a peut-être quelque chose à boucler, vous avez du mal à boucler. Ou vous avez peut-être... Pour certains, vous êtes en train de boucler quelque chose avec beaucoup de bonheur, hein, c'est pas subi. Mais il y a la notion de ce qui va se passer après. Et c'est comme si... avec le monde en force, on vous disait prends ce temps de savourer le plaisir du monde. Oui, il y a quelque chose qui, il y a une forme d'aboutissement et effectivement, après, il y aura un nouveau chapitre. Mais pour l'instant, savoure ce cycle-là que tu viens de... que tu viens de boucler avec brio avant de chercher à entamer encore un nouveau cycle derrière. Est-ce que j'ai autre chose? Les apparences aussi, de ne pas chercher à être... de ne pas chercher à quelque part faire des ronds de jambes, être dans une apparence de séduction, ou voilà, mais d'être juste pleinement et entièrement vous. Au passage, le monde, ça peut parler de voyage, et de voyages lointains. Alors ça peut être longue distance, ça peut être longue distance en France, ça peut être à l'étranger, ça peut être voyage, un long voyage, un profond voyage intérieur aussi. Alors ceux qui se demandent s'ils vont pouvoir bouger, si c'est une bonne idée de voyager, ou bon, vraisemblablement, le monde en force vous dit oui. En résultat avec cette justice, je vous disais, est-ce que la décision à prendre est prise, est-ce qu'elle est rendue, en tout cas il y a un alignement, il y a du discernement, il y a le fait d'exprimer clairement. Je pense que vous avez quelque chose qui s'éclaire, qui se solutionne en résultat de cette quinzaine. La justice, c'est aussi une carte qui dit prends tes responsabilités, dans le sens si tu sèmes. Si tu as envie de manger des fraises et que tu as semé des haricots verts, viens pas te plaindre quand arrive la récolte que tu manges des haricots verts. Il y a peut-être la question, qu'est-ce que je veux semer? Qu'est-ce que je veux manger plus tard? Bon, avec cette justice en résultat, je pense que vous avez une réponse plus... un discernement... de reprendre votre part sur y compris les bonnes choses, hein. De vous satisfaire, de prendre ce temps de vous satisfaire de ce que vous récoltez, parce qu'il y a des belles choses là-dedans. Bon, on va passer au conseil.
Si vous avez envie de partager dans les commentaires ce que c'est que cette justice pour vous, est-ce que c'est une décision que vous prenez, est-ce que c'est une décision que vous recevez, que vous attendez. En tout cas, j'ai cette notion-là d'avoir un meilleur équilibre et d'avoir quelque chose. Est-ce que c'est intérieurement un déclenchement intérieur ou est-ce que c'est aussi par rapport à l'extérieur? Il y a quelque chose là qui fait que on calme le jeu entre un trop plein de mental et puis le cœur qui est quand même... Vous êtes bien en fait. Le cœur, il est quand même assez posé. Il faut juste calmer le jeu au niveau du mental. Je pense que vous y arrivez avec la justice. Alors, en conseil, on vous dit pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Donc, pas la peine de vous mettre cette pression. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.